Allez, salut tout le monde, c'est AzerTufo, on se retrouve pour l'épisode 9 de mon Let's Play Bioshock Infinite, qu'on va tout de suite continuer. Donc je l'ai dit dans l'épisode précédent, je l'ai fait un peu à la suite là, en un peu d'avance, et voilà, donc c'était un peu la galère. Enfin là ça avait l'air de s'être calmé, il y avait des trucs qui me sont tombés dessus partout. J'ai même envie de pleurer. Et voilà, donc on se retrouve là avec ce mec, je sais pas qui c'est. J'ai envie de te tuer mais je te tuerai pas. Quoi? Voilà, merci, de toute façon apparemment vous êtes tous mes ennemis, alors bon, autant tous vous tuer. C'est par là? Non, c'est par là. Forcez la porte. Chut. Et d'où tu me dis comme ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, elle m'a fait un truc. Ah, l'enfoiré. Laissez-moi. Viens ici. Je vais te violer, Elisabeth. Je vais te violer. Je vais te violer. Ah, trop fuck. Elle est forte comme cette fille. C'est amusant. Mais elle est complètement débile. Mais il doit y avoir une autre entrée. C'est par où? C'est par là. Eh ben oui, voilà. Les renforts demandés arrivent. Les renforts demandés. Tu Ah, ils sont là-bas. Ça passe pas. Ah non, bah ok, faut juste que je... Pas de quartier, les gars. Yeah. Vous savez comment on m'appelait au Vietnam? On m'appelait la terreur des marais. La terreur des marécages, c'était moi, les gars. Ah, j'ai plus de vie. Le flingue... J'ai pas capté que c'était pas aussi utile que le... Que le sniper. Et merde, oh. Hop. Non mais tu peux tirer sans arrêt, mon gogo. Viens là, mon gogol. Gogol. Mon gogol. Mon gogol. Oui, je suis coincé, effectivement. Oh là là, les bâtards. On peut s'accrocher à ça, si j'ai vu. Vous me choperez pas. La pute. Ah voilà, décapitation. C'est qui le boss? M'en fous, j'ai la vie à l'infini. Mais ça va pas durer longtemps. Tu aurais sans arrêt, bâtard. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? De toute façon, tout le monde veut me buter. Oh putain, j'ai plus de vie. Je peux plus compter que sur mon bouclier. Oh putain, distributeur. Cool. Distributeur. Qui te soigne? Mais j'en veux plein. Ah ok, c'est la recharge de vie instantanée. Ouais bah c'est cool, j'ai mis... J'ai un truc de vie à fond. Mais il y avait des machins là sur la table. J'ai pas bien regardé. Oh des... Oui, des munitions pour la carabine, je crois. Coucou. Non. Alors... Comment ça me saouler l'autre en face. Putain, bon je vais prendre mon temps histoire de pas mourir. Ça serait con de mourir alors que j'ai un truc de vie à côté. Bon, carabine. Carabine. Ah, comme tu vas bien le sentir celui-là.
800. Ah, putain. Chien, chien. Ouh. Qu'est-ce qui fait mal, faut vraiment pas se la prendre plusieurs fois celle-là. Ok, go. Il est soin. Merci. 80% de vie, c'est excellent. Et c'est pas très cher. J'ai plus de bouclier. J'ai plus de munitions. Et merde. Ouais, vas-y. Putain, c'est pas possible. Oh, il a combien de vie, lui? Ouais, ça me fait chier, celui-là. C'est quoi ces gardes détachés? Ah non, c'était noir. Ah, c'est vraiment des putains de racistes. Le paradis, c'est pas fait pour les noirs. Quoi. Ah ouais, c'est les années 80, c'est ça. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Un pyromane? Ah, celui sur le bateau, c'est un pyromane. J'avais pas bien capté. Mais oui, il me lance les boules de feu, je suis con, moi aussi. Ah, il est où? Il est mort ou quoi? Bon. D'accord. Alors, faut aller où? 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 Ça... Oh, excusez-moi, hop, je prends un peu de vie. Et on est reparti, ok. Donc, hop, ouvrir la porte. Hop. Allez, putain, mais viens. Elisabeth, attends. C'est par là, hein. Descends, Mongol. Oh là là. Oh, oh, il est beau lui. Oh, il est beau. Oh, franchement, franchement, il est classe. La boîte mon ennemi, je l'aime bien. Ah, il monte là-dessus, toi. Oh putain, mais quel enfoiré. Que faire? Oh là là, merde. Ah, merci, Isabelle. Quand même. Bah oui, sinon tu vas te faire tuer sans moi. Hé, hé, je vais lâcher. N'essayez surtout pas de me suivre, monsieur DeWitt. Elisabeth, je me suis débrouillé pour qu'on nous rende le dirigeable. Vous pouvez nous faire partir. Exact. Tout ce qu'il me faut, ce sont des armes pour toute une armée de révoltés. Et où trouverez-vous toutes ces armes? Auprès de l'un de nos innombrables alliés. Un armurier de Fington. Ça devrait être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me suis? Vous êtes un menteur, monsieur DeWitt. Et un voyou. Oh, lui, c'est bon. Mais si je veux voir Paris, je n'ai pas d'autre choix. Bah oui, alors fais pas chier. Merci, mademoiselle. C'est bon? Ok. Ne vous habituez pas trop à ma compagnie. Oh, mais ferme-la. Je ne fais que me servir de vous. Quoi? En plus, tu me le dis comme ça? Mais je vais te coller une balle entre les deux yeux. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, mais c'est bon, ça n'est pas trop mal sorti. Heureusement qu'il y avait le distributeur. C'est vrai que je ne les ai pas trop exploités jusqu'à maintenant. Ce serait peut-être bien de le faire un peu. On me fatigue tout ça. Ok, Fington. Maintenant, faut trouver l'armurier. Ah non, 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 c'est nul. Enfin, bon, on peut le faire vite fait, tout le monde. D'accord, ok. Voilà votre armurier. Ok, où ça? Qui vous a demandé de le trouver? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pire des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. C'est quoi, c'est là? Faut aller là? Ouais. Comment va-t-on s'introduire à Fington? Illégalement. Cherchez une deuxième entrée. Et en fait, je devrais pas tirer sur les gens comme ça. Oh, merci. C'est là que je suis content que tu sois revenu. Moi, je me sers de toi.
Ah bah voilà, on a qu'à défoncer la porte. Et tu es témoin. Hop. Voilà, parfait. Bon, en attendant, trouve-nous une deuxième entrée, s'il te plaît. On fait quoi là? Ah d'accord. Hop, oui, ça change pas grand chose, c'est juste. Voilà. J'ai une serrure à crocheter. Fais pas ta tête de mule. Allez-y. Merci. Par ici, un ascenseur de service. C'est gentil. Il nous mènera à Finton. Et nous fera tuer pour le même prix. Carabine. Mais j'en ai déjà une, il faut juste les munitions. Ah non, mais j'aime bien cette arme aussi, c'est vrai. Je me rappelle. Ah putain, il y a encore un truc comme ça. Merde de haut. Prophète, il est mort, enfoiré. Je me prends une balle, je meurs. Voilà. Ah putain, merde. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, merci. C'est chaud, je m'attendais pas à avoir autant de minis en fait. Putain, reviens là quoi, abusé. Ah là 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 là. Il est pas simple ce jeu, je trouve. Mais bon. Ça qui est sympa aussi. Si t'es trop simple, moi. J'aime pas les jeux trop simples. Mais pourquoi je refais ça? Non mais excusez-moi, j'ai vraiment pas réfléchi en fait dans mon but. Ok, merci. Je me casse. Ouais, donne-moi vite. Merci, c'est cool. Oh, qu'est-ce que tu gères? Heureusement que t'es là. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fout là? Je suis pas mort. Mon dieu! Mais les gars, vous me faites quoi? C'est quoi ce bordel? Vous êtes combien? Après tout, ouais, c'est une armurerie. Je m'attendais à quoi? Hop. Ok, des munitions s'il vous plaît les gars, donnez-moi des munitions, j'ai plus de munitions. Putain, vous êtes même pas utile en mourant quoi, c'est abusé. Tu dois avoir de l'argent. Oh non, il y avait plein de trucs. Bon, c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu me vends toi? Dégâts optimisés. Ah, cool, je peux augmenter des dégâts des armes. 25%, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise après? Ah, attendez. Mitrailleuse, ok. Et ensuite, il y avait un truc qui ressemblait à une mitrailleuse. Réduit la dispersion de la mitrailleuse de 75%. C'est bien ça. Putain, merde, j'ai plus beaucoup de sous. Munition améliorée. Réduction du recul. Chargeur amélioré. Augmente la taille du chargeur de la carabine. Non, moi, ce serait plutôt dégâts. Ouais, de la carabine. Bah, parfois, en plus, j'en ai une. Voilà, nickel. Ah je vais pouvoir. Ah ouais mais en fait j'apprends pas bien le jeu. Là, c'est d'argent. Cool. Ah oui c'est vrai, de tes sous. Attrapé. Prostituée. Ah oh, tout ce qu'il y a de en plus. C'est une folle. Qu'est-ce que. T'es beau ce Christophe. L'armurier Chenlin recherché pour ses liens. Ouais c'est vrai que j'apprends pas à bien faire avec les. Notre brave ami s'est fait. Je vais plus m'y intéresser. Parce que ça peut être cool de tout améliorer. Le jeu sera nettement plus simple après je pense. Fiche précision, non, c'est trop tard. Tant pis. Bref, je parle, mais où faut-il aller? La flèche, où est-elle? Elle est là. Bien pratique, cette flèche aussi. Prendre... Crochet, cool. J'en ai 4. Il m'en faut un et je pourrais crocheter les gros coffres qu'il y a après. J'en ai vu de temps en temps, des gros coffres. On va fouiller tout ça. C'est fouillé. Ok. Il y a plein de fric. Hop. Appuyez sur le bouton. Ah, ne me dis pas que... Non. Oh, oh, oh là là, il fait bander quand il appuie sur les boutons. Booker, le casier de Slade. Il travaillait ici. Mais je... C'est le journal de ma mère. Où Slade l'a-t-il trouvé? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté de... Ah, il parle, je dois pas entendre à cause de elle. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance bon, désolé, ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est
elle qui m'a fait enfermer. C'est une miatch. Elisabeth. Je vais juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. Bah, tu rentres. Ok. Attention. Oh yeah. Doum, 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 doum. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink. Et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de le notre mouton. Seigneur? Mais l'abeille, bien sûr. Avez-vous jamais vu une abeille chômée? Non, non, le mouton. Une abeille accepter un arrêt maladie? Eh bien, mais la réponse est non. Oh là là. Alors, faites l'abeille. Faites l'abeille. Super ta blague. C'est vraiment super. C'est ma gueule ou quoi? Allô? Allô? Monsieur DeWitt? Non. Oui? Monsieur non, non. Fink souhaiterait vous parler. Qu'est-ce qui se passe-t-il? DeWitt? C'est Fink. Bon, écoutez. Après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Vous dites quoi? Le meilleur. Bien. Pour l'associer, Monsieur Flambeau, je suis fou. Pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez aucune idée. Mon remplaçant va prendre le flambeau. Monsieur Flambeau. Bref. Ah là là. Qu'est-ce que... Il a une haute idée de lui-même. Oh, c'est beau. C'est lui, Fink. Mais il est moche, par contre. Il est moche, mais c'est beau. C'est très beau. Ces grandes portes, tout ça. Boah. Moi, je trouve ça vraiment beau comme jeu. D'accord, je suis deck, mon ordi tienne pas les graphiques. Ne vous inquiétez pas, bientôt j'aurai un nouvel ordi. Bientôt, bientôt. En octobre, si tout se passe bien. Et les nouveaux jeux, j'espère que j'aurai fini BioShock d'ici là quand même. Et après, je ferai tous les jeux. En HD. Viens là, je te tue. On dirait un peu Charlie Chaplin. Enfin, une petite ressemblance. Ok. Donc, dirais que je pense à. En crochet. J'ai 5 crochets, super. Je peux le tuer. Oh. Dieu peut bien nous vouloir, monsieur Fink. Pardonnez-moi, mais monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi? Désolé, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à monsieur Fink. Tu me fatigues. Merci. Non, mais viens avec moi, c'est vrai. Personnellement, voilà. Je trouve ça très bizarre. Oui, sauvegarde, on a combien de temps? Presque 20. Bon, allez, je continue un peu. On fait quoi? 9 mois, s'il vous plaît. 9 minutes qui pour 8 minutes en chair. Elle est avec quoi, les gamines? Ah non, elle est pas venue. Ah, putain, les salauds. 6 minutes 5 par ici. Bref. 5 minutes 50. J'ai dit 5 minutes. Personne ne descendra plus loin. Question de porteur de chair. Je dois aller là. Si les Chinois ne les avaient pas posés. On y est, Booker. Je veux le tout, je veux le tout, je veux le tout. Et avec ce feu, non, le feu. Faut chier là avec ce feu. Ça m'intéresse, on s'y peut dire, pas du tout. Entrer dans l'armurerie, quitter la zone. Ok, c'est parti, bon, heureusement elle est venue avec moi la gamine parce que... Elle est plutôt cool. Sauvegarde automatique, bon ben... je vais arrêter là l'épisode. Je vais arrêter là. Et puis on se retrouve donc la prochaine fois pour l'épisode 10, si je me trompe pas. Pour l'épisode numéro 10, ça rien ce que je fais, puis ma sauvegarde je crois qu'elle reprend avant. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous à tous. Et donc on se retrouve bientôt, normalement le lendemain de quand je tourne cette vidéo, pour l'épisode 10. Ouais. Pour l'épisode 10, et voilà, je vous fais de gros bisous à tous, et... Bonne journée, bonne nuit ou bonne soirée pour ceux qui regardent. Allez, ciao ciao.